Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Pour une autre session spéciale d'information et d'échange sous crise qui a frappé pays d'Haïti, qui ça qui bougeait dans crise ça qui a brassé bill pays a depuis plus passé un mois qu'nien question qu'a posé surtout après réunion Conseil sécurité Nations Unies dans New York 17 octobre 2022 c'est là que Hélène Lalim représentant secrétaire général Nations Unies en Haïti et puis chef BINU mission Nations Unies qui établi dans pays a fait connait que solution haïtienne n'y a parlé tout le temps et bien ça pas suffit pour yo capable arriver faire face à crise qui a souqué pays a. Alors en réunion Conseil sécurité a Hélène Lalim li mande conseil là pour yo traiter en urgence demande gouvernement haïtien en fait pour gagner force étrangère force armée étrangère qui entrer dans pays d'Haïti la lim qui parler de une situation catastrophe nette dans pays d'Haïti côté gagner une crise humanitaire avec une crise en question sécurité qui approchait net. Mais face à demande ça que représentant haïtien qui était là ministre affaires étrangères Jean-Victor Généus dans gouvernement de facto lui-même qui répétait même demande que Hélène Lalim fait même demande que secrétaire général Nations Unies en fait dans lettre livrée par le Conseil sécurité et bien face à demande ça yo la Chine avec la Russie yo même yo dit non nous pas marcher la donne comme ça yo pas ouais question intervention étrangère là avec un jeu favorable du tout la Chine li dit que li gen tête chargée le lap gade contexte là côté tout acteur yo pas d'accord pour intervention étrangère tandis que nous-mêmes n'a constaté gagnent des manifestations sans rité pour demander premier ministre qui la Ariel Henry pour li batzelli donc la Chine mandé pour monde très prudent dans bagay ça bon côté pali la Russie li mandé pour regarder conséquences ça ka gagnent si kounya la yo ta vinn déployer force internationale en Haïti dans un contexte côté gain désaccord entre haïtiens sous présence force là pendant ce temps bon côté pali Canada fait une réunion la Kaili jour 17 octobre là même avec groupe d'intervention en cas d'incident c'est un groupe de haut niveau qui gain la dernière ministre avec haut responsable là Canada pour discuter sous situation pays d'Haïti et gouvernement Canada li ou dit encore li gagnait en pile volonté pour le travail avec tout partenaire au niveau régional et international pour capable soutenir stabilité et puis développement durable dans pays d'Haïti et puis tout pour y joindre une solution côté c'est haïtien qui prend tête li et en même temps son solution qui en faveur haïtien dans diverses tendances. Si gen gros réunion internationale ou bien réunion de haut niveau qui a fait dans certains pays en Haïti, moun continue à poser tête question alors que gagnait des mobilisations anti-gouvernementales qui continuaient sans rité, il a demandé tête mais qui ça Haïti pas capable résoudre pour compte li là pour ces communautés internationales qui viennent aider et ceci depuis plusieurs semaines. Nous trouvons-nous là attente ça dans ça certains monde relé en forme d'immobilisme et pendant tout que nous oublier une partie dans problème là qui c'est justement prix gaz là qui monté 17 routeurs plus passé 100% depuis mi-temps mois de septembre qui vient mener nous côté nouyer jeudi
Et alors, l'échange que nous avons fait sous situation, hein, nous gagnons avec nous Himmler Ribu, c'est un ancien colonel, je nous connais, et coordonnateur groupe Réflexion pour Évolution Haïti, GRE. Colonel Ribu, bienvenue sur Antenne Alter Radio. Bonsoir Godson, merci pour l'invitation et nous saluons tout le monde qui est à côté. Bien, bon, tout le monde sait que le réseau a un problème ces jours-ci, il a fait de notre mieux pour nous voir est-ce que la conversation ça a arrivé l'emboutli, nous espérons. Et alors, colonel Ribu, d'abord, du point de vue militaire, je dis à parler en pile de une perspective d'intervention étrangère humanitaire en Haïti, c'est nouveau dans l'histoire récente pays. Hein? Bon, ça sont fabrications politiques qui fait en Haïti qu'à l'étranger pour qu'on vende un bagage qui est difficilement réalisable. Naturellement, nous connaissons régulièrement supporter ou bien agir plusieurs fois dans l'intervenu militaire en Haïti et ça a toujours fini par des échecs sur le plan économique, sur le plan social. Et même fabrication fait sous plan politique, qui toujours fini par un échec. Situation à vivre en Haïti, hein, c'est échec management américain, hein, qui te prend d'abord tête 20 000 hommes, qui te mené président d'Haïti de Vini, le 15 octobre 1994. Ils viennent retirer le corps, ils sont obligés de retourner encore 10 ans après. Et chaque fois que vous faites le nous toujours retomber dans le même problème. Situation à vivre pour nous. C'est mauvaise gestion. D'ailleurs, les gens qui ont tête et entité que vous BINU, c'est une citoyenne américaine qui travaille pendant très longtemps avec le Pentagone. C'est sous le régime que vous fédérez les gangs. Et vous fédérez avec objectif. Qui était capable de faire des élections truquées en utilisant le président Jovenel Moïse, ça va aboutir, devine tomber dans un bagaille beaucoup plus grave que l'association de gangs que Mme Lalim te dit, son bagaille qui t'a permis de résoudre le problème de sécurité en Haïti. Maintenant, il y a toujours choisi deux mouns qui n'ont pas de compétences pour mettre TV sous intérêt en Haïti. Même si type de gestion moun sa yo a crasé population, hein, a tué moun nan population, hein, a fait moun nan population pas capable rete la kayo, puis aller yo pas connait ki bon. Maintenant, pour yo comme yo moun yo bay fait job là ici là, pas capable rete under schedule que te balia, ni pas capable résoudre problème qui vin conséquence gang que te fédéré yo. Donc, tu es obligé de jouer une formule qui pour faire venir résoudre le problème même sur le terrain. Mais nous connaissons menti. Yo pas cap résoudre le problème là. Surtout si yo choisi la méthode militaire yo même. Parce que conséquence, ça capable de gagner pour yo. Yo pas jamais cap aller jusqu'au bout. Maximum, ça yo cap fait. Yo cap mettre un sparadrap avec un petit bossement tout petit. Son gros Java. Il dit tout bagarre en forme et puis il a organisé des élections truquées pour mettre même qualité moun encore et comme premier ministre s'est demandé population pour Vergil c'est kounya population qui pour Vergil pour si un de bagarre met dame ya faire s'il cabre rentrer la donne pour chavirer le mettre dans sens intérêt par donc affaire bagarre prétexte humanité c'est une blague et qui épidémique te qui gagne comme ça en Haïti. D'ailleurs, vous avez vu un COVID banou et COVID n'a pas fait volume de gars qui ont été espérés. Maintenant, vous retournez encore avec choléra parce que vous connaissez les métiers. Vous venez exploiter vous avec choléra pour capter sous chapitre humanitaire qui a venu et encore, il faut nous être tant pour essayer de venir vraiment. Mais, colonel Ribu, vous dites que vous voyez COVID là-bas nous? Non, moi je COVID là, le COVID là son bagage internationalement nous connaissons manipulation. C'est clair, littéralement manipulation que vient fabriquer les vaccins que monde qui prend toutes doses vaccin
notamment président américain, fin pour COVID, ni même ni madame, ni après que tu fin vacciné. Donc, c'est une vaste plaisanterie économique dans l'essai qu'il y a fait et dans le champ exploratoire pour des raisons de guerre à venir et qui échappait à contrôle. Mais tout le monde connaît que COVID a fait un dégât énorme en Haïti, ce qui n'a pas été le cas. Donc, vous écartez cause humanitaire là, mais par contre, vous évoquez tout question sécuritaire. Bon, il n'y a pas qu'à évoquer question sécurité, problème sécurité, c'est la caillou aux amis acheté, c'est la caillou cartouche acheté, c'est mon pays ici qui souterrain qui tape dit nous que fédération gagne et tout bon bagay. Donc, ou pas qu'à fin faire mal, et puis qu'on y a ce même qui dit moi bien combattre mal côté faire. Ça va qu'est-ce que ça? Mais c'est quand même une perspective qui l'a et information fait qu'on est que les États-Unis a rédigé une résolution qui pour passer devant Conseil de sécurité et là maintenant il a parlé de déploiement immédiat d'une force multinationale d'action rapide. Concept ça m'daimen nous vinn souli un peu plus tard colonel Ribu, mais d'abord m'daimen que ou dit nous qui implication ou intervention étrangère du point de vue militaire. Parce que nous étudions 1915, nous avons salteillé, nous connaissons que bah, évolué en pile, nous trouvons nous en 2022, si nous avons posé question du point de vue militaire, qui ça veut dire? Mais écoute, premièrement, il faut apprendre histoire et réalité politique que nous avons parlé. Le jour d'hier, les États-Unis disent. Alors c'est Antonio Guterres qui te baille profil force là. Description baille là pas existé. C'est pas existé. Ou entité rapide, une entité rapide, son entité qui pral faire des opérations césariennes et de type raid qui rentre qui résout le problème et puis qui fait back. Qui entraîné ensemble pendant longtemps, capable de faire type opération ça. Ou pas capable de faire type opération ça en donc coalition internationale. À moins que vous n'y ou tu apprends plusieurs pays, et puis ou tu as un pays ou une zone, en Haïti par exemple, il y a une qui sont au Brésil. Ça, par exemple, le Chili te prend le nord. Et la France te met des cols bien loin, il n'est pas rentré dans la bagaille là. Ou après la République Dominicaine, pas besoin de chance rentrer dans le bail comme ça. Même moi, je sur le plan technique, je ne peux pas réfléchir au cas privé réalisé. Et en Haïti, nous prenons des choses par rapport à l'émotion. Ça veut dire que je dis, il y a grand pile qui souffre. Presque tout pays a souffert. A pas bandi. Donc, grand pile qui t'a aimé, jouez nous solution. Pardon, à misère et tribulation que y a subi. En quoi ça que y a vivre là, vient pour ces raisonnements. Les États-Unis disent qu'ils vont monter des unités pour intervenir en Haïti. Et puis, premier, ça fait son résolution qu'ils vont soumettre au niveau du Conseil de sécurité. Si le Conseil de sécurité a dit non, ça va passer. Parce que vous connaissez le principe dans le Conseil de sécurité, il faut que tous les 15 membres acceptent et votent à l'unanimité. Une seule voix de la Chine ou de la Russie qui t'a mis ton veto dit que la résolution est tombée. Et je dis à la conjoncture mondiale, beaucoup requièrent les États-Unis, même s'ils proposent de mettre des têtes avec le Mexique, pour proposer une résolution devant le Conseil de sécurité pour la Russie qui était le passé pour lui. Maintenant, si les États-Unis prennent poser le problème devant le Conseil de sécurité, c'est qu'au départ, il y a un déficit de ceci. S'il te voulait faire ça, il a fait. Il a fait carrément, il n'a pas mettre le courir le risque du veto du Conseil de sécurité. Même je l'ai eu en Irak là. Il était forcé la France la main
pour aller en Irak avec la France, dit le pape aller. Y aller, y a fait opération, qui tout donne des as. Donc, si les États-Unis ont une intention festale, si la paix a vraiment, c'est pas ta jambe par une résolution que le bras le voyait devant le Conseil de sécurité, parce que je dis à qu'on est, la Russie, pour quel que soit ça, les États-Unis présentent un PDV, donc c'est du bluff. Mm-hmm. Mais... c'est du bluff. Mm-hmm. Mais si vous tapez un bail vraiment, vous tapez qui fait le carrément, même j'ai l'air de prendre des décisions dans l'Irak. Les États-Unis ne peuvent pas le faire aujourd'hui par rapport au risque que cela comporte, parce que vous prenez dans l'élection bimoué dans la caillou. On dit que vous arrivez à jouer au moyen terme avec M. Bandiri. Vous tombez, mettez des âmes sous soldats américains. Même si les soldats américains tué 3000 personnes côté. Soldat la mouri. D'ailleurs, moun ki pral mouri, c'est bandit vraiment. Donc, les États-Unis courent le risque pour venir tomber dans une situation de tuer 400-500 haïtiens qui pas bandit. Et là, ça va pas qu'à courir à mettre des âmes bon côté moun qui mouri à pour dire c'est bandit yo tué. Pendant que pral l'élection, mi-mandat la kayo, même pas comprendre un an politique, encore pas comprendre un an géopolitique. Donc, ou maintenu que intervention militaire que a parlé, enfin, je dis à qui dit c'est une force multinationale d'action rapide là, ou toujours mettez point d'interrogation sous lui, ou mettez en doute malgré il paraît avoir avancé dans la démarche. Mais évidemment, même pas analyser bayo sous sandarin mais sous sambadarin mais non, m'a utilisé des faits. Moi, je étonné un pile que les, premièrement, les États-Unis n'ont pas de capacité morale par rapport à tout désastre qu'ils font dans le monde pour jouer des pays qui acceptent de mettre là-dedans. Bon, qui pays va jouer là? Le Chili vire à gauche. Presque toute zone et Amérique latine a viré à gauche. Ça veut dire qu'on a un concept idéologiquement contraire à ce que les Américains concevoir l'Amérique. Au point qu'on voit, dernièrement, il était obligé, Blinken était obligé, prendre un bâton pèlerin, aller côté trois élections, trois présidents, trois élections faites en Amérique latine, toutes ce sont des gouvernements de gauche. Même au Venezuela, il y a voyé des monde allant discuter avec Maduro, il était oublié, on a gagné Juan Guaido, il était le président Venezuela. Maintenant, qui pays les États-Unis capables et entraîner dans le bagage ça, le Canada ou le Cap, c'est sous bluff, mais il a trouvé tout matériel, il a été nommé, il a été délivré. Donc, monsieur, on dit. Il est censé commencer à livrer au week-end ça, là. Non, livrer à Paris. Le problème, c'est pas que tu as continué de livrer depuis longtemps déjà. Mais il prend livraison pour montrer qu'il y a fait un bagage. Je voyais les Canadiens venir tâter le terrain sous prétexte ces matériels pour évaluer pour si il y a une acceptation de présence militaire réelle sous terrain. Mais si c'est mal passé, le Canada a perdu de ces matériels et acheté dans le pays pour devenir point. Et d'ailleurs, où on pile précaution après. Comme matériel, ce sont des matériels d'utilisation militaire ou stratégique. Ou toute précaution au plan, ils ont écrit l'être pour dire que y a des militaires qui viennent pour tes matériels, ils viennent, et tout naturellement, ils ont un contrat qui ont été signé, qui ont prêté pour montrer aux techniciens ici comment pour utiliser le matériel, là, c'est totalement normal. Mais à la vérité, c'est ça, ils ont troupes d'avant-garde qui peuvent tester terrain sur le plan socio-psychologique pour que la population accepte ça et ça a permettre les États-Unis connaître qui ça pour le faire. Et même là encore, les États-Unis pas cap intervenu militairement sur le territoire haïtien en Kounia. La cap fait peut-être jusqu'à la zone mois janvier comme ça. L'heure finit avec élection mois novembre, élection mi-terme. Et si l'élection mal passée, tu n'as pas capable de faire du tout. Mais là, où évoquez.
moun an Haiti kap soufri situation n ap viv la, rete avèk un gwo espoir konprann bon, menm si Amerik yo te intervenu, yo pa rezoud problèm nan. Men yo te la deja. Se mal yo te mal jere le yo te intervenu. Le prezidan si te finge tout afè M. Chimbert ki te e bagay tap pe. Ou pas soje koupil la tap kidnapé moun devan moun ministè yo. Gran la jounen. Colonel Rebu, Colonel Rebu, deux questions sa ou évoqué à la, très important. An nou pren yo séparément. D'abord, ou te dit que yo pas de besoin assentiment personne américain pour intervenir en Irak, mais là en Haïti ou parler d'acceptation. Comme quoi faut que population accepte, pour qui ça acceptation est nécessaire en cas haïtien. Non, bah moi dou yo y a testé pour qui gens population a réagi. Parce que c'est un pays américain pipe parce que tout pays sur la terre, c'est Haïti. Pour raison bien simple, yo pas j'aime qu'on qui j'aille réagir vraiment dans situation. Jusqu'à présent, le Pentagone qui des historiens, des sociologues, des militaires, des stratèges qui a étudié comment nous te fait la guerre de l'indépendance jusqu'à présent. Oui. En 1994, les Américains avant Américains intervenu en Haïti, parole te voyé en commission qui te gain Sam Noon, Jimmy Carter, général Powell. C'est négocier de venir négocier avec Néglamé d'Haïti ou pays qui est de trois malandrins qui est dans la tête la mienne. Assuré que les troupes ont débarqué par des gens qui ont tiré sur yo. C'est pas parce que les Américains pas folle, pas qu'ils maîtrisent Haïti, non? Mais leur entrepreneur action militaire en Haïti, ils peuvent pour pas qu'on dérapage, pour pas qu'il y ait 500, 600 personnes qui mourent sous compte et à l'accusé de génocide sur la plaine et la scène internationale. Parce que écoutez, un prend bagayo sur le plan de positionnement. Je dis à nous que nous avons des nègres qui bandits, qui ont des armes de guerre dans les mais qui ont trouvé mélangé avec une population. On parle pour l'opération Cité de Dieu là. Qui est-ce qui bandit, qui est-ce qui s'aime de s'aime civil? Tim, seule opération qui a fait techniquement, politiquement, sont opérations de contention. Ça veut dire que ou capable de verrouiller zone ou empêcher les gens de sortir dans la rue à poser des actes. Or, les gens qui ont tout couloir, tout qu'on a fait sur les axes importants, leur garder passer par trois corridors, pas neutraliser ou pas maîtriser ou sortir. Là, qu'on y a ou face à la situation, ça, ça va faire. On va tomber tiré un militaire. Depuis le gain, yon cible sur un objectif et son espace de territoire, son terrain, rôle militaire s'écraser tout le bail qui est devant. Li pa nan trier, li pa nan négocier, li pa nan chercher ça, li pa nan éditer, c'est un nèg yon décide ou pas toute précaution, mais Poutine, malgré l'on situation de guerre ouverte. Ou pas un son série de cibles précis à chasser pour tirer sur vous. Parce que ou pas cap dans une situation que tu vois bombarder dans une zone et puis que 5-10 000 mouni mourent au seul coup. Je ne peux pas comprendre que les militaires sont qui fait comme ça. Bon, puis les conséquences, et les États-Unis pas cap permettre le luxe vivre dans une situation où une seule opération fait 500-600 000 mouni mourent. Je dis, on pas cap cacher l'information sans encore. C'est pas un bagage que l'on veut faire. Ou est-ce qu'il y a une Ukraine qui a passé? Ou j'en m'ouè une bonne image ou bien parle de combien de soldats ukrainiens mourent dans l'attaque? Ou pas retrouver un dossier russe qui mourit? Ça, c'est ça l'arrangement, l'organisation de la propagande politique et au niveau de la guerre. Mais en Haïti, volume réseau social. Après, nous avons un Américain qui vient là, c'est lui-même qui se dit l'aide, courir entre, et la queue entre les jambes. Tellement son opération difficile pour eux. Mais, Colonel Rebu, ou quoi le président américain lui-même, Joe Biden, le Yotefin quitté Afghanistan l'autre jour, lui a dit qu'on sait que les États-Unis disposaient de moyens pour cibler n'importe monde, n'importe côté dans le monde si ils voulaient atteindre. Ah oui, bien sûr! Bien sûr, oui, mais pour cibler là, mon conseil de référentiel, c'est le coup de bayou, oui. Par exemple, dans le pays étranger, quand je me parle à voir là,
Si Américain a une raison pour le cibler, oui, il est capable de faire ça. C'est ça, il est ciblé. Mais il n'est pas capable de cibler un monde qui respecte les précautions d'usage, qui ne peut pas communiquer dans le téléphone dans le moment où il a cherché là et qui retrouve le nom espace tout de individu dans le village de Dieu, par exemple. Très bien. Comment on dit dans le village de Dieu à Youn? Donc, c'est un bail qui est extrêmement difficile. C'est un monde qui pas tellement connaît politique bien avec l'armée militaire bien. Moi, si l'Amérique était un bail, il a fait des. Depuis qu'il a fait tout rangé comme ça, c'est même je l'ai tapé dans 94, tout rangé comme ça, il a fait, vous avez vu par la cédrasse, etc., etc. C'est parce qu'il n'y a pas de capacité pour faire une attaque normale. Donc, nous avons la guerre psychologique. Puis ça y a fait mon quoi. Ouais. Parce que en général, yo toujours dit que l'action militaire, yo surprise là, c'est un élément important. Yo pas jamais annoncé la guerre en matière militaire. De moi, que le pape Pessar a dit la faire vraiment. Parler là sous crise qui a frappé le pays d'Haïti, a une crise qui arrivait en moment côté en pile mon a posé cette question et qu'on a annoncé déploiement immédiat d'une force multinationale d'action rapide. C'est du moins ça qui en discussion d'après ça vous dit ces démarches ça au cap fait, mais ou même ou commentez pour nous déjà et ou dit que ou en pile doute maintenant. L'autre question qu'on a pas abordé tout à l'heure me territo sous lit qui est important en pile. C'est souhait que une série de monde qui a gagné, bon, peut-être une bonne partie dans la population a gagné pour ta fini avec souffrance que a vivre là et on pensait que c'est des souhaits qui capable vain l'en contexte que n'a parlé jodi à là. Si c'est sous force étrangère a mettre espoir. Mais force étrangère là pas capable résoudre problème ça. Problème nous gère là son problème de longue durée que lui. Et son problème qui est lié plus à la psychologie sociale que toute autre chose. Monsieur Bandio, ce ne sont pas des soldats convaincus. Ce sont des nègres, des mondes politiques qui ont un projet politique. Parce que tu as utilisé pour utiliser comme marche pour retourner son pouvoir, pour venir prendre pouvoir. Non, pas au dit d'élection. Et non bagay ça les États-Unis complices la donne et d'accord la donne parce que moun y a vinn mette comme président c'est moun pa yo qui habitué renyo service d'ailleurs les voler l'argent Haïti c'est la caillou y a le mette c'est un projet cap contrarié depuis quelque temps on prend tout effort dans la lime a fait pour ouais s'il était cap rentrer dans Montana exploser Montana prendre deux moun la vie sont à côté pour gete courir le 17 octobre al devant conseil sécurité pour dire rejoignez une entente ou pas ouais même monsieur Saxotra les qui explication capable gagner sur questionner politique pour recevoir Fridian à pas pour recevoir Magali comme cela veut dire que nous gagne des Montana donc pour Montana fabriquer mon yo pas tande qui Montana yo dit pour chita par la vela mon yo pas tande mon nous dit à pas donc on parler de Magali Komodeni et Ted Syndic que rencontre avec et puis on rencontre gouverneur Fridian à pas ouais qui différence qui est un gouverneur Fridian et mon BSA Montana. Et là, enfin, nous souligner tout que on parlait de conversation Brian Nichols comme sous-secrétaire d'État américain pour hémisphère occidental t'es gagné avec divers responsables en Haïti, responsables politiques, parmi eux tout premier ministre qui là Ariel Henry. Oui, cela veut dire que reconnaître que il y a entreprendre en dans Montana. C'est ton projet qui t'est fin passé net, qui t'est fin bon net, pour être ouest, yo te cabralé, Fridian, et puis yo dit, yo jouen, on accord Montana, avec Montana. Maintenant, bagala vin foire, yon côté, parce que, yo vin mette gouverneur Fridian, en dans situation, quand vous son moun qui traite, moun Montana yo, li difficile, pour l'alguer un succès avec un type de traite au départ. Et, dans tout le bagage, nous n'avons pas parlé là. Nous n'avons pas tenu compte de la population. La
population pas parler. Mais je dis à yo honnête moun qui fait au mal et bon discours et docteur Ariel Henry fait son bel discours lié li dit moun nan population ouvrije pour yo tout trait tout causé qui pral trait parce que population connaît très bien ça qu'a fait là ou président derrière Ariel Henry a couru parce que yo identifié Ariel Henry comme un moun qui vient à préparer un cachette projet que vous voulez sortir la donne même non. Donc comme premier ministre là, docteur Ariel Henry même pas tellement aimé le premier ministre. Dis-moi yo ouvrige yo. Y'a ouvrige pour yo wè tout moun ki pral nan concordé avec yo. Maintenant. Qui sont wè population comment c'est fait? Ou pas ces moun ki ministre, moun ki et collaborer avec Ariel Henry. Aujourd'hui, il y a plusieurs mouns en deux gouvernements, pas qu'à rentrer la caillou, pas qu'à dormir la caillou. Donc, ouvrir, le premier ministre l'a dit, il y a ouvrir, il y a tout doucement pour collaborer avec mouns, il y a identifié comme mouns qui ont fait le mal là. Parce que Ariel Henry, pas qu'à dire aujourd'hui, il n'a pas contribué à faire la situation de la population vine plus mal. L'autre devini, c'est Matisse qui te gagne. Je dis à Matisse, gagne la boule. De côté, sous compte qui est-ce? Qui est-ce qui là qui fait mon yo absubi ça, absubi ya? Donc, alors, tout mon yo vin sort brusquement parce que je dis que l'Américain pral vini. Américain ta pral vini. Ta pral vini, pa gen tout averti sa yo. Mais pour qui ça, d'après où que gouvernement fait demande là, quand même supposé analyse ou a fait là, yo, yo même bon, yo gain ressources pour faire tout et me supposé peut-être yo faire tout. Comment yo fait quand même fait demande là? Il a fait demande là parce que bra prend dans moulin. Là par exemple, ou premier et chaque fois ou yo mande intervention. C'est pas pour cette situation de sécurité guerre, non? C'est parce que les gens qui ministrent pas en sécurité, je dis, ah oui. Ou admettre même que y a le cas des gens qui ministrent, y a le cas des gens qui sont dans SDP, ils mettent des chiffres là, ils crasent la caille. Donc, les gens qui sont dans le gouvernement ont un problème de sécurité personnelle. Il y a des gens qui sont gros chefs en de pouvoir, ça là, qu'on n'a pas qu'à rentrer la caille. Donc, c'est pas populaire, il n'y a pas moins d'intervention pour la population. Il y a des interventions pour sécuriser propre tête par yo et pour être capable d'utiliser position UIA, utiliser américain yo pour yo capable faire faux élection pour mettre moun sous pouvoir dans même condition yo pas sorti et jodi al vini une obligation pour yo. Donc là on valise thèse qui dit que yo perd du contrôle gang yo. Mais bien sûr que yo perd du contrôle yo. Est-ce qu'on comme ministre, il y a comme moun ki chef en gouvernement ça kounye qui pas capable de la caillou. Faut ne pas les populations clair pour le perdu contrôle. Mais yo, elle c'est normal. Vous répétez ça deux fois. Est-ce qu'on a des cas? Il y a plusieurs cas. Qui est-ce? Pas Alkaïri Kapier. Yo pas mettre différents cas de bonne surprise Bozil. Yo pas faire plusieurs tentatives Alkaï Major Michel. Ouais. Bien, que victime yo, bien que victime yo longe doit être sous des mouns et yo dit que c'est des bagay malveillants qui fait. Ah, bagay malveillant ou bagay pas malveillant, c'est un fait. Et s'il rive, son sujet d'inquiétude lié. Ou pas qu'à une situation là, je dis ya, ou premier ministre, ou ministre, ou nan bagay, quand vous pouvez la ka ou gen difficulté pour pas finir sur. Au cabri de la caillou, et puis qu'on l'autre bagaille international l'a fait. Il y a une loi aux États-Unis qui ne permet pas de gérer une affaire visa, de cancel visa au monde, qui est un bagaille privé, il n'y a pas de droit rien ni public. Mais pour qui ça tombe sur la place publique? Mais on ne peut pas citer nos personnes là. Officiellement. Non, on ne peut pas citer nos personnes. Et ma ministre, et qui tel, si on ne peut pas refuser le visa.
et pour qui ça information sorti en public. C'est un double jeu qu'a fait pour montrer que conseil de monde qui dans gouvernement qui y a pas tellement de ce qu'on avec eux de population mettre faire ça faire confiance. Et où à qui discours est venu encore. Nous pas capable parler de intervention et puis qu'on a dit que faut haïtien jouer nous encore rapide. Oui, je souligne ça effectivement. Il dit il y a toujours la solution haïtienne toujours. Mais non, mais c'est pas vrai. Yo contribue, yo tellement connait pas une solution haïtienne, non. Yo tellement connait, yo pas capable joindre ni. Ça yo pas chita avec moun Montana yo, quoi c'est des incursions yo fait en dans Montana, fait gagner des moun dans Montana qu'a voisin et dans radio et sur les réseaux sociaux sur l'autre moun Montana. C'est pour le Capdou que yon prend, yon tel moun, jodi a si yon d'après par exemple, gouverneur Vridjan, yon font entente avec Ariel Henry. Est-ce qu'on peut dire Montana? Donc, quand yon moun Montana, yon d'abord obligé nos positions, vous y a dit, c'est Vridjan, gale poukol. Là, m'a souligné que ou c'est un signataire de Montana. M'a konne si c'est en défense de Montana que ou a parlé comme ça. Non, m'a signataire mais... Montana. Gré, oui. Moi pas signataire Montana. Adhérer au consensus Montana peine modifiée. Et qui différence vous faites? Depuis la crise a commencé, nous dit seule solution qui pour gagner dans crise ça là, c'est haïtien qui pour mettre tête ensemble. Le nous est Montana qui était son position, lui dit li fin élu président, li élu premier ministre. Kounya noue, la chita avec Pen, ki di yo te fin choisi moun ki président, yo vin changer position, yo di kounya yo admet pou yo go exécutif à deux têtes, mais avec un conseil de gouvernement qui gen 5 moun là-dedans. Donc, yo changer position côté président absolu, ya se chantant. Nous même d'angri nous dit, deux mouns ça, on mette tête ensemble, qu'on y a tête ensemble ça, nous vient appuyer, pour y aller chercher, jouer nous entendre avec 11 septembre. Et c'est ça qui est écrit dans le document que vous avez. Donc, il y a un document modifié, ça. C'est ça, nous comprenons. Non, peine modifiée. Vous venez modifier. Et malgré le modifié, vous dites, il y a après, un moun dans Montana, un moun dans peine, un moun dans société civile, un moun dans 11 septembre, yon moun nan ki l'autre entité ça. Nous même nan gre nous dit c'est ça nous t'a dit depuis longtemps, nous vin adhérer à ça. Ou bien c'est Ariel Henry gâté jouet là parce que Ariel Henry c'est pas lui pas même on roi non son pape lié. Parce qu'on est roi gen doit régner son pays et sur plusieurs pays. Quand vous ka la reine et Elisabeth qui sont mouri là. Mais pape la régné sur tout pays catholique qui sous la terre. Dernier papier Ariel Henry fait aussi là ou t'as pas prendre fruit Jean pour entrer dans bagaille yo. Yo dit y a metté yo vient retourner dans même idée Montana. Y a metté au conseil de gouvernement de Saint-Homme. Mais conseil ça cap ça c'est vieux la présidence, li gen pour soumettre Ariel Henry toute décision. Ça veut dire que c'est un président qui vient soumettre toute décision à volonté au premier ministre. Ariel pas même moi encore, c'est pas prisonné. Donc, ces documents ça qui n'ont pas qu'à passer, c'est ça que vous faites, tout parlant, puis vous là. Mais le bail de vous dit à Pini, vous allez faire intervention militaire pour qu'ils envoient une Nichols qui fait même 15 voyages en Haïti là déjà. C'est parce que vous connaissez ça, vous dites, vous allez faire, vous pas qu'à faire. Pêcher pour jouer, mesdames, ou est-ce que tu as résolu le problème? Non, mesdames, en quel que soit, j'ai résolu le problème, non, mesdames, pour mentir parfois, il y a fini, il y a fond bagaille là, en délection, même bagaille là, pour le gâter encore. Mais maintenant, c'est le moment pour nous poser question. Qui ça, les États-Unis, besoin, en fait? Les États-Unis, pas besoin en rien en Haïti, parce que tout ça, que tu as besoin, il y a un emmène là. Sauf que les vins prennent un piège, les gars des associés qui maladroit. Par exemple, esclave Ariel Henry, son esclave maladroit. Monsieur, pas qu'on fait politique parce que les gars américains avec lui, ils
peut-être ni pour un bon homme, c'est tout ça, c'est pour tout le monde venir mettre à genoux dans pied le corps coupé il a été bien papa la maman lié. Pour monde pas venir accepter pour en condition par la redeur et ben qu'il continue pour col. Ariel Henry pas accepté qu'un coup de monde chita, qu'un coup des adultes avec lui pour discuter des problèmes au pays, pour prendre des décisions dans l'intérêt de tout le pays. Lui-même, lui sont esclaves qui ont des maîtres qui exigent pour faire faux élection pour le cabinet de président en Haïti. Lui, gros code dans le coup, lui, pas comme sorti la donne. Donc, tout le monde qui pouvait collaborer avec elle, c'est le monde qui pouvait appuyer ça la faire. Ça a une mission pour le faire. Oh, ça a une mission pour le faire. C'est lui-même qui sujette toute lutte qui est là. C'est lui-même qui baille tout problème nous gain là. C'est moun li besoin de faire faux élection pour yo qui te distribue zam. Baille tout bandit ou te joigne qui te gain zam depuis sous la valazine faire une pi bandit. Vin entrer avec un pile malheureux et puis mal jodi à tout moun qui est chargé pour tuer. Bandit. C'est bandit qui baille zam yo, c'est bandit qui acheter zam yo. C'est bandit qui contrôle sécurité pays là, c'est bandit qui contrôle justice pays là. Donc, je dis à tout bagayo, effectivement, bandi ou fait zak vraiment. Tout bagayo tombe dans coup bandi, le ap tue, qui moun yap tue. Alors, l'autre de les États-Unis, non, bah, et puis grave, dit nous la retiré visa. Visa qui est la retiré? Mais ça, on pas penser que la gen y fait, puisque dit que y a retiré visa moun qui a financé gang. Mais toi, ka moun qui a financé gang, yos américains, oui. Toi quand moun ki nan trafic zam nan trafic bay sa yo gen double nationalité américain pi konn yo basé. Donc cela veut dire que c'est en mesure qui ka sans effet, mais il est vrai quand même que non, mais c'est la guerre panique dans certains milieux. Bon, il pas aucun panique. Des trois nèg qui gen visa et qui peut-être par exemple gen des moun moi a cité non yo. C'est des moun qui gen yo pas américain même gen visa vraiment. Alors, gon pile nèg, ou pa konnen gon pile nèg homme d'affaires qui pour cap sécuriser business yo, yo obligé par la bandi. Donc yo obligé bandi pour ça l'état pa ba yo sécurité, qu'on y a pour sécurité qui sécuriser investissement yo. Yo sous la pression des bandits, c'est quand on t'a dit un monde dans quartier populaire parce que un bandi vole du riz pour ton sac du ribali, donc on dit qu'on y a s'associer bandi à les voir tuer lui. Et c'est peut-être ça, peut-être que même Mounsayo, à travers l'association patron yo qui rencontrait avec Brian Nichols, yo même tout, yo plaidé en faveur yon appui international pour nous capables résoudre le problème sécurité qui grave dans le pays, à je dis. 80% de nos Américains ou bien Français ou bien... Gaïsien, je dis à tout au niveau ça. Mais là, nous allons arriver non point. Yo tout moun association malfaite à cravate yo ou yo perdu contrôle des zones de affaire pou y a demande américain pour venir ou pas ouais tout des autres k'ap fè dans pays ouais c'est ou pas ouais c'est les attaquer minoterie ou ouais gros bateau américain qui vient dans rad là c'est peut-être minoterie yo vini parce que minoterie c'est intérêt américain direct lié. C'est bien américain direct lié. Mais américain pas faire ça pour chaque grain intérêt gain. Notez ouais que yo te kembe 18 missionnaires 400 maozo pendant longtemps et nous pas jamais moi ça que t'es fait. Ah, on pas moi ça que t'es fait. Là le Dieu t'a vienne faire pas démenti ou pas faire. On parle sur dossier sinon gagnon yon hein que transféré aux États-Unis la prison Kounier. Mais après mais ben, c'est ça nous mais opération de Dieu t'es belle le Dieu t'a pas qui conseille à la défense nationale, président Biden, nous te fait déclaration. Oui, dis ça, s'il vous plaît. Ben, dis où, là où t'es missionnaire, le conseiller à la sécurité nationale, Jacques Sullivan, le conseiller du président Biden, c'est dit qu'on va faire opération. Colonel Rebut a écrit, il te disait menti. Il n'y a pas aucune opération qu'on va faire si on cap dit ça. Seule vérité que t'as gagné ça, c'est que y'a résolu le problème, non, déjà. Après, son parle, il est passé 2 mois pour faire cinéma, illustration douce étoile de David, le Seigneur Jésus-Christ, qui te prend mon à 2h du matin, faire suivre l'étoile de David, pour faire 2h temps de marche, à travers les ronces et les épines, pour l'éternel te cap guider, pour sortir 16 moun, qui ont kidnappé,
et puis les venir nuit tous les sauver sauvés par grand monde qui veut ça et puis des petits monde là dedans nous dans Hollywood n'a fait film et puis là on dit tenteo moi écrit moi dit non ça on dit à pas ça pour telle raison technique et puis après ça bon le film dit bagaille moi même me parler même là avec le monsieur son métier on connaît autant que moi même après ça font pile vue ou on prend deux mois pas attendre parler bah encore puis de Jésus-Christ sauvé mon yo Rete quelques minutes pour nous faire une conversation ça colonel Ribu deux éléments importants d'abord solution problème politique là parce que quand même tout virer tourner tout ça nous ouais nous gagnons une population là qui a bout et nous elle à tous les niveaux qui ça qu'a fait et comment nous capables arriver prendre un souffle et moi pas gabdo parce que moun wa mande pou ta prendre mesure pour bon souffle là c'est lui même qui a fait bagaille là c'est Ariel Henry qui chef bandi a qui représentait bandi qui fin voler l'argent Petro-Caribéo qui entendu avec Américain qui gagne l'argent Petro-Caribé à la Kaili c'est mettez gouvernement c'est fait toute bagaille c'est même moun qui me dit fin dans Kaila ou après les vinné d'autre ou édifère bien que à travers toute population alors, nous c'est vraiment une bonne manifestation faite qui dit clairement que yo pas vle Ariel Henry là encore lui même qui pas élu qui pas gagné une légitimité je dis c'est une population qui campait qui dit yo pas vle encore notamment peut-être affaire de augmentation gaz là au niveau ça Soit elle a cherché à la venue. C'est pas une menace ce qu'on fait là. M'a fait menace. Depuis moi, ou va songer président Jovenel Moïse. Jean président Jovenel Moïse d'après aller au pas trouver ses sous danger il t'a marché. Ni moi ni vous, nous pas cap connait que bala té cap prend forme libre. Mais pour jeter le président Jovenel Moïse, t'a fonctionné. Un président qui doit la prendre un train. Attention, la bâti tape sous main. Train qui doit faire accident. Et quelqu'un doit pas. Vous avez nous train qui doit faire accident. Entêtement, un responsable politique. C'est ça, oui. C'est dans le même cas, Dr. Ariel Henry. Oui. Donc d'après, vous pensez à craser tout le pays après Dr. Ariel Henry? Bon côté à privé à prendre contre obstacle par Ariel Henry il y a écarté m'a pas connu sous qui forme mais je dis à tout problème dans c'est lui même depuis quand même année depuis quand même mois américain a dit faut que je joue en tête nationale pour qui ça pas venir en tête nationale là qui mon qui obstacle là et d'ailleurs question qu'a posé est-ce que Ariel Henry fait partie de solution dans la mesure où justement, population a exprimé le niveau ça, et ceci pendant un mois déjà. Mais Ariel, moi-même, je comprends Ariel, quand elle finit, elle est tête, son nègre qui, ou dit, ou besoin de prendre, ou dit, prend un code. Ou voulez le marché, ou fait la lâcheté, code là. L'on finit, ou dit, monter, puis boire. Ou dit, marrer, passer code là, d'un coup, marrer l'autre prêtre là, dans branche bois. Mon cher Labtoudou, mon cher, si pour me laguer tête, moi, en bas, c'est pour venir laguer, c'est pour venir pousser, c'est dans le cas Ariel. Maintenant, le mettre Ariel, ouais, Ariel, tout non problème, non, mais qui ça l'a fait? Bon, là, on concentre sur Ariel Henry, mais c'est mon individu, est-ce que véritablement c'est lui-même qui est un obstacle? Oh, c'est toujours un individu. Ou pas jusqu'à présent. T'es un individu que le Jean-Jacques Dessalines. Chaque fois, on a parlé de lui-même. Quand on nous parle de l'autre individu que le Pétio, qui t'a assassiné, et puis le fin assassiné, il fait dire, au soupon rouge, il est mort, et Charlotin Macadie, etc., raconte des blagues. C'est tout, il y a toujours un individu. Pour qui raison le président Jovenel Moïse mourit? C'est un individu qui, à la tête de l'État, à gérer l'État jusqu'à ce qu'il tourne obstacle. Tout le président Jovenel Moïse t'a crasé parlement. Il est compris le monde qui t'a dit, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de dirigé par des grèves. Il était croisé de vrai.
jusqu'à ce que nous vont côté craser toute institution dans pays à net qui fait jusqu'à présent aujourd'hui nous pas cap bonne solution. Ariel Henry cap dit le premier ministre et que l'a dirigé sous l'article 149 de la constitution, c'est le conseil des ministres. Ali article 149 constitution après s'il a raison. Et tout le monde connaît le menti. Gagne un autre problème puisque bon à peine 2 minutes qui était nous là kounia, c'est question sécurité a ou vinn souli plusieurs fois et ou gagne en pile connaissance là-dedans ou diriger structure de sécurité déjà en Haïti gagne des éléments côté avancé dans toute conversation qui vinn montrer que on monde capable même penser que c'est un problème qui insoluble jodi a en Haïti en 1 minute et demie, c'est vrai ou pas? Jodi a rien soluble. C'est parce que wap mande pou wap moun ki organise insécurité a pou le retirer la donne. Nan ki paye ou pense que bandit a kap kampe face à un l'état comme ça. Si l'état va un l'état complice. Ou va tande tout les gars fait gaz y a pas tout voye négocier côté l'état qu'on a négocié à bandit pour résoudre des problèmes sérieux de sécurité aussi graves. Et Amnesty a mandé à capable régler les problèmes non? M'baronne. M'a géré après Amnesty a demandé. Répétez ça, s'il vous plaît. C'est bagay bandi à bandi. C'est bagay associé. On ne peut pas rentrer dans la population, tuer en pile moun. Et puis après ça, pour reconnaître que moun ou tuer sans jouer tout et tuer. C'est bagay pour moun aller avec moun qui te balzam, non? Moun qui t'a voué l'argent bali. Moun qui te viole conscience, si mène le côté le mène, non, que vous le prenez amené pour la régler avec partenaire, ça. C'est pas société que vous payez conséquences pour lui. Bien. Eh bien, on a fini. Nous très contents que nous sommes capables de parler avec vous, colonel Rebu, et merci pour éclairage sous diverses questions que nous abordons. M'a rappelé que ou c'est responsable politique tout responsable gré groupe de réflexion sous Haïti. C'est bien groupe de réflexion. Merci en pile. M'a remercie en pile et m'a ta bien aimé. Dis mon yo des bagay qui t'a cap faire plaisir, qui t'a cap ba yo espoir dans situation angoisse que yo a, mais moi-même pa konn ba gens de menti ça yo. Seul ça me connaît parce que son problème li gen solution. Mon pas cap mande moun ki fè problème nan c'est li kousyonnel pou. On prend l'autre moun. Merci en pile colonel Rebu. Ça a été un plaisir mon frère.